mesdames et messieurs la famille, comment nous y est? Jeudi à ce dimanche, avec un pile plaisir, un pile l'amour, comme d'habitude, moi là, moi poté yon l'autre vidéo d'information. Pendant la vidéo ça, on a commencé avec yon bonne nouvelle, puisque finalement, criminel qui était kidnappé, pasteur Locharemi, yon libéré pasteur. Hier, nous songeons dans l'émission que nous avons fait, moi j'étais plein de ça, parce que ça fait déjà 3 semaines depuis pasteur Locharemi, non mais yon, pas déjà me libéré. Mais finalement, hier, aux environs de, bon, entre 9h et 10h du soir, comme ça, il était libéré pasteur. Et non, moment n'a pas là, pasteur Locharemi, trouvé avec famille. Il y a distrait, famille, moins quoi, qui content, mais vraiment, qui content un pile, parce que il joigne pasteur Locharemi. C'est vrai que pasteur Locharemi, probablement, certainement, t'es souffri, parce que fait 15 jours fermé, non, espace, côté, nèg, exam, a passé sous, tout, bon, il me dit passé sous, il y a maltraité, de mauvaises paroles, etc. Ça, c'est pas un bagage facile, mais l'essentiel, c'est que pasteur sorti vivant, et non, espérer que pasteur pourra le témoigner, et elle a dit que ça a bon Dieu été fait pour lui, et me pensait que ça a fait Fidelio content en pile. Donc, pasteur, libre côté famille, Fidelio content, ou même tout, ouais, qu'on content, parce que sans doute, ou t'es content, bon, jusqu'à maintenant, ou attendez, musique Locharemi, et c'est des musiques qui sont capables d'aider, ou à traverser un moment qui est extrêmement difficile, et donc, merci. Bon, moi-même, par contre, pasteur, et pas ça, même, etc. Même, utilisez-vous, pour me dire, nous, tout net, qui t'a prié pour pasteur Locharemi, merci parce que pasteur li libéré, li sorti bien vivant nommé assassin les a. Sur le plan national, question politique pas gain trop actualité, tout bagay, bah yo a point mort. C'est question carnaval qui a parlé puisque nous connaît sept gouvernement pas décidé faire carnaval national, mais gain d'autres villes qui a fait carnaval et pourtant des carnaval, administration publique fermée, n'ayez pas besoin qu'on a rien de question économie. Et donc c'est ça. Donc c'est carnaval pendant week-end pour Haïti là, tout bagay fermé. N'attend après carnaval pour qu'on qui ça qu'al passer dans pays, notamment avec un dossier Jovenel Moïse, notamment avec dossier conseil électoral, dossier élection, etc. etc. Mais, vous connaissez, si en Haïti, pas gagné, sur le plan international, ça chauffe. Ça chauffe, mais vraiment, vraiment, un pile tension sur le plan international, avec notamment Vladimir Poutine, Jodia, qui font gros déclaration côté, lui déclarer que là aussi, décidé, mettez en alerte la force de dissuasion nucléaire du pays. Est-ce que vous entendez? Donc, Jodia, Poutine qui a parlé de armes nucléaires alors que l'IN est en guerre avec l'Ukraine. Le monde qui est capable de dire l'IN est en guerre avec un petit pays qui est bon côté de la crée l'Ukraine. En tout cas, militairement, nous connaissons Ukrainien pas qu'à camper devant Russie. Mais en tout cas, si sous papier nous dit ça, apparemment, Poutine est bien compté, elle est mal calculée. Jusqu'à maintenant, Ukrainien n'a pas capitulé. Capital là pour qu'on nomme Russie, Ukrainien à bataille et Poutine lui semblait obligé changer de stratégie, même si journée aujourd'hui là il a parlé de pourparler entre Ukraine avec la Russie, des pourparlers que Poutine t'a proposé, nos pays Biélorussie, mais président ukrainien Volodymyr Zelensky dit il pas après négocier dans pays Biélorussie. Parce que pays ça, c'est un pays qui participe avec Poutine dans ça, Ukraine a vive aujourd'hui. Et finalement, Ukrainiens ont décidé de discuter avec Vladimir Poutine sous frontière. Restez connectés. Nous pralouer ça avec ou grand pile Noël. Nous pralouer. On sait le bagage extrêmement important avec ou là. Mais bien avant, n'a pas d'eau pour partager vidéo ça. Partagez le. Sur tout réseau, sur tout Facebook, WhatsApp, etc. pour que l'autre monde soit capable de voir. Et ou même cap gade m'la, cap tende m'ki pourquoi abonner avec Paysa. Abonnez-vous avec, soit apprécié le travail que nous avons fait. Abonnez-vous avec Paysa. Mais qui j'en pour faire, gade petite vidéo ça, pour aller bon côté. Non, chaîne YouTube là, unis son nom, appuyez espace rouge qui marque s'abonner, cliquez sur lui. Et puis, une fois qu'on finit, cliquez, gon cloche cap paraître, cliquez sur lui.
comme ça ou pas ben jamais rater pièce émission que n'a gagné un poune poster. Mesdames et messieurs, je dis a fait 4 jours depuis la Russie t'a décidé envahir pays Ukraine. 4 jours après, comment situation est? Eh ben Russie a prend coup, ukrainien a prend coup tout. Mais selon un pile expert qui a analysé conflit ça, eh ben apparemment situation li un petit jan compliqué pour la Russie parce que ça semblait que Russie était sous-estimé capacité ukrainienne gagner pour que mesdames et messieurs yo ta résister. Est-ce que vous entendez? Russie est sous-estimé les amis capacité que Ukrainien gagne pour ta camper en face force de frappe ça que yo même yo représenté. Malheureusement, 4 jours plus tard, capitale là que tu souhaitais prendre, vous pas arrivé prendre. À tel point, Poutine mandé pour parler. Poutine mandé dialogue. Quand pile monde qui dit est-ce que Jean Poutine ça intelligent? Est-ce que c'est pour stratégie que citoyen ça a fait pour que pendant cette période soi-disant de négociation, ça, période pour parler ça, est-ce que c'est pour stratégie que l'a fait pour que les capables renforcer troupes que le gagnent sous terrain là, sous territoire ukrainien? Quand pile monde cap dit ça, parce que mesdames et messieurs, en 4 jours, c'est pas des chars russes qui pas tombé, qui pas crasé, qui pas détruit, il y a plusieurs avions russes qui crasé, mais moi les amis, hein, vidéo à li viral sur toutes les réseaux sociaux. Un Ukrainien qui rencontrait des militaires russes au coton char a campé, leur demandé qui ça char a gagné, il dit comme ça, char a gagné pas de gaz, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent ça, est-ce que c'est pour une stratégie que Poutine a utilisé pour que les capables de ravitailler et justement pour le cas renforcer les troupes qui sont sur le territoire ukrainien. Et ça me dit tellement de sens, une dernière photo qui saute tombé là qui montre que non moment n'a parlé là alors qu'il a parlé de pourparler de dialogue etc. Mesdames et messieurs, un satellite qui font photo qui montrait une quantité de chars, une quantité de militaires qui sont là qui a entré sur le territoire ukrainien. En tout cas, entre-temps sanctions sur le plan international n'y a pas continué. Pas oublié. C'est vrai que n'a parlé de guerre la Russie-Ukraine, mais guerre ça, il pas seulement en guerre Russie-Ukraine, mesdames et messieurs. Bagala, il allait plus loin que ça. Moi, j'ai plus de compatriotes qui osaient faire des analyses très simplistes de ce qui a passé. Pour comprendre ce qui a passé là entre la Russie et l'Ukraine, il faut qu'on fasse un petit retour pour regarder dans le passé qui s'est passé. Qui s'est passé? Et je dis à mesdames et messieurs, guerre qu'a fait là, les plus yon guerre entre la Russie et d'autres puissances nucléaires qui trouvent yo dans le monde occidental là, que ça que nous est guerre Ukraine-la-Russie. Mesdames et messieurs, on allait pour déclaration que Poutine fait jeudi à monsieur menacé, ouais, monsieur menacé pour que en tout cas, lui activer, lui demander pour l'armée russe là activer les forces de dissuasion nucléaire, de pour tendre pour ça ou les armes nucléaires automatiquement, lui fait déclaration ça parce que lui dit autant a menacé le dirigeant pays occidental, a menacé il parle mais ça il fait qu'on est mesdames et messieurs là il prend activer force de dissuasion nucléaire face à menace que monsieur occidental représenté pendant monsieur a parlé fort on ça l'a fait gros menace. Ukrainien fait qu'on est yo même bon côté pas il a campé goumé il pas capitulé et il a dénoncé déclaration Poutine yo fait qu'on est ça Poutine a fait là déclaration ça que l'a fait c'est pas l'autre bagaille monsieur Joss a baillé pression c'est pas seul ukrainien qui oué bagaille là comme ça pas bien me dit nous mesdames et messieurs que guerre là pas seulement en question de Russie Ukraine et plus que ça par exemple il y a Canada aujourd'hui là qui annonçait que l'Ipral voyait équipement militaire bah, ukrainien, casque, gilet pas balle, masque à gaz, matériel de vision nocturne, etc.
matériel ça yo. En tout cas, yo fait connait yo pral voyer pour 25 millions de dollars canadiens de matériel militaire by Ukraine. C'est pas seul Canada. C'est pas seul Canada mesdames et messieurs. C'est pas seul Canada nous pral ouais ça tout à l'heure. Pendant ce temps faut nous dire autorité ukrainienne yo bay un bilan jodi a yo fait connait yo même bon côté pa yo compté environ 352 morts. Il y a 352 civils, bon, pas 352 morts, il dit qu'il y a 352 civils qui mourent, dont 14 enfants. Parmi Mounsa, parmi civils qui mourent, il y a 14 témoins. Et on fait qu'on est plus passé. Bon, il y a environ 1700 mounes qui blessés. Parmi eux, il y a 116 témoins qui blessés comme ça. Parlant de sanctions, les amis, gagnez l'Union européenne, et qui est décidé jeudi pour vraiment vraiment attaquer la Russie. Union européenne, nous parlons de Canada qui dit il va livrer armes, il va livrer matériel militaire by Ukraine. Union européenne jeudi les amis déclarait que yo même bon côté pa yo yo pral aider Ukraine et là yo pral débloquer 500 millions d'euros d'aide pour Ukraine. Dans 500 millions d'euros ça, gain 450 millions qui pralé uniquement pour livrer équipement matériel là. Gain 450 millions qui pralé uniquement dans question matériel militaire, armes etc., etc. Est-ce que nous bien entendez les amis? De me parler de l'Union européenne, ça veut dire ça le dire. L'Union européenne, il y a des puissances militaires, il y a des puissances nucléaires là-dedans. Concernant la déclaration que Poutine fait aujourd'hui, côté la parler de dissuasion nucléaire, il y a Boris Johnson, qui est premier ministre britannique là, qui sont l'autre puissance nucléaire dans le monde là, qui commentait ça Poutine dit. Il fait qu'on ait déclaration ça que Poutine fait aujourd'hui. Monsieur pas fait l'autre bagarre que chercher distraire nous de ça qui a passé sous territoire ukrainien non moment un côté que n'a pas parlé là. Selon ça Boris Johnson fait qu'on est ukrainiens sont peuple qui innocent et il a fait face jodi avec une agression totalement non provoquée. Il fait qu'on est ça qui a passé sous territoire ukrainien jodi c'est que moun ça peuple innocent ça la défense tête li et résistance là li plus que ça Poutine t'a capable imaginer et donc réalité en face Poutine li en difficulté logistique etc. force russe rivé au moment yo pas capable mais c'est pour raison ça qui fait Poutine fait déclaration que le fait. Ça m'a cité Boris Johnson, mesdames et messieurs, qui a parlé. Monsieur fait qu'on est que Poutine est entré tête li nan on bagaille, nan on entreprise désastreuse, mal conçue, et donc li doute fort que monsieur pape échoué dans ça que l'entre tête li a. N'a parlé de Boris Johnson. Et ça, Boris Johnson fait. Selon ça, Boris Johnson fait qu'on est, mesdames et messieurs, Poutine devait envahir l'Ukraine, lui envahir, mais projet monsieur a son projet était mal ficelé et donc lui doutait fort que Poutine a réussi fait ça que lui, mesdames et messieurs, devait faire. N'a pas rappelé, Poutine gagnant quelques alliés. Poutine a quelques alliés, mesdames et messieurs. Par exemple, Corée du Nord, c'est allié naturel. Poutine, monsieur D, Kim Jong-un, dénoncer américain, le fait qu'on est tout ça qui a passé là, c'est américain en cause pendant la dénoncer dans son missile. Avait dit le fait ouais que là. Est-ce que tu comprends? Il fait ouais que là. Encore une fois, comment Poutine va le soutenir en bataille ça, nous pas connaît. Est-ce que Poutine a bien Ukraine? Bon, ça, nous presque pas qu'à discuter sur ça, même si Ukrainien a pas résisté, mais mesdames et messieurs. Ça qu'a arrivé que Poutine gagne bataille là. Mais est-ce que si Poutine gagne bataille Ukraine, est-ce que le gagne guerre ça qui éclate avec les autres puissances occidentales? Nous par contre. C'est vrai que jodi a puissance occidentale yo pas entré dans guerre armée, hein, une guerre
militaire avec Poutine, mais il y a une guerre économique qui a fait là, puisque ils ont isolé Poutine dans le moment où ils ont, pas seulement Poutine, ils ont isolé la Russie dans le moment où ils ont parlé là. Ils ont isolé la Russie, ils ont retiré la Russie du système bancaire international là. Hein? Bon, ils ont dit là, l'Union européenne dit le fait, mais espace aérien là pour la Russie. Donc, depuis, on a avion qui a un rapport avec la Russie. Mesdames et messieurs, ou pas ka rouler sous territoire européen, il y a Canada qui dit le fait mes frontières pour tout. Il y a d'autres pays qui prennent même décision. Ça veut dire bataille là encore une fois, li pas facile. Mesdames et messieurs, comment bagay ou pral passé? Vraiment pas comment. Entre-temps, faut que nous disons que il y a pour parler qui supposé fait entre délégation russe et délégation ukrainienne. Mais, Ukrainien a dit, il n'a pas cru que il y a un bagage sérieux qui pourrait le sortir. Non, non, contre ça. Parce que en même temps, pour parler à fête, en même temps, Poutine a envoyé militaire sous frontière, etc., etc. Donc, bagage là, li ontijan compliqué. Donc, comme t'as dit tout à l'heure, pour nous comprendre ce qui a passé là, il est trop simple. Parce que quand pile compatriotes qui pas trop bien imbu, qui pas comprendre ça qui a passé là, depuis au palais au faut qu'on ait ah là aussi gon gros âme là crélé Satan 2 depuis utiliser en 30 secondes d'écraser un pays tant que la France, donc pas un monde, les amis, on pas naïf dans niveau ça. Donc ça c'est ça Poutine dit que le gagne, mais on paye tant que les États-Unis, amis, comme vous pensez. Même les États-Unis dans doctrine yo pas nan fait ouais ça a gagné, yo pas nan fait. Par exemple, la France a fêté le 14 juillet ou toujours des défilé militaire fait li rare pour américain fait défilé militaire, li rare pour les États-Unis a fait défilé militaire. Donc a faut dit pas un pays qui a campé devant la Russie, c'est pas vrai son bagage que met dans tête. Son bagage qu'on met dans tête. Chargé pays qui a campé justement devant la Russie. Maintenant, est-ce que si la Russie entre en guerre, est-ce que ça va le dire Bral Van Paul? C'est pas ça que me dit. Mais on n'est plus en 1947. En 1945, on est en 2022, les amis. Je vous dis à là, nous pas parler de simple guerre, n'a parlé de guerre nucléaire. N'a parlé de guerre nucléaire. Et justement, c'est parce que n'a parlé de guerre nucléaire qui fait, je vous dis à, lit un peu difficile. Pour que nous pensions qu'il y a une guerre mondiale qui pourrait le faire là. Ok? Il est un peu difficile pour nous croire qu'il y a une guerre mondiale qui pourrait le faire. Parce qu'on a parlé de guerre nucléaire. Il y a une période côté qui était très difficile pour le monde là. C'est la guerre des fusées dans le pays Cuba. Cuba, nous connaissons, qui est dans la région noire, qui est tout près de nous. Je vais expliquer. C'est pas la première fois que les États-Unis avec la Russie, il n'y a pas goumé par personne interposée. Ils fait déjà pendant la période de guerre froide là, notamment Cuba. Ils ont fait pendant une guerre des Coréas 50-53. Ils ont fait pendant la crise des missiles Cuba en 1962. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays Cuba? Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays Cuba? Un groupe nègre, un groupe jeune garçon, Amio, Fidel Castro, avec Zan Milio, avec M. Te accompagné Lio, Ernesto Che Guevara, qui met moun sou yo pour jeter Fulgencio Batista, un dictateur que Américain pas voulu. Ouais. Au début, Américain était supporté Fidel Castro non démarche lia. Mais une fois que Fidel Castro fin faire révolution, yo jeté dictateur, eh ben dans démarche Fidel Castro,
qui pral jouen yon lot nèg krelo Ernesto Che Guevara. Nèg sa yo pral mene yon politik ekonomik ki pral ale à l'encontre de sa que Ameriken yo te espere. Yo pral mene yon politik ki ale à l'encontre des intérêts des Ameriken. Et ça pral fait que Ameriken vin très hostile ak monsieur sa yo. Eh bien, mesdames et messieurs, ki sa pral passe, puisque Ameriken vin en face monsieur, Américain pral essayer fait tout ça que le capable justement pour le jeter Fidel Castro, pour le jeter monsieur Sao. Parce que yo pral commencer traiter de dictateur et alors que au début yo te croyait dans démocratie que Fidel Castro t'a prôné. Là nous entre 59 à 62 mesdames et messieurs. Et puis comme ça en 1961, Américain yo, par le biais de la CIA, qui ça pral fait, yo pral entraîner une série de Cubains, mesdames et messieurs, qui en exil, qui trouvent en exil aux États-Unis d'Amérique, yo pral entraîner yo, et puis yo pral dit, monsieur, n'a pas nous am, dégagez nous pour nous jeter Fidel Castro. Et c'est là, nous pral tendé parler de attaque de la baie des cochons, etc., etc. Mais c'était un échec total parce que, mesdames et messieurs, bagala, li pat passé Jean qui ont été là et justement, Américains ont été mal planifié bagala. Pendant la période ça, la Russie, bon, l'USS dit tête, est-ce que nous capables de laguer Cuba dans ça que là face à Américains? Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça. Les amis, yo pral entre pifon dans relation que yo gagné avec Cuba yo pour que yo al installer des missiles dans le pays Cuba. Américain yo pral extrêmement fâché parce que yo wenn dans démarche ça une menace directe pour les États-Unis d'Amérique. Étant installé en quantité de missiles dans le pays Cuba. Alors là, on va aller un petit peu très très rapide pour que justement, on soit capable de montrer, non, c'est pas la première fois, les États-Unis avec la Russie, yo gain un problème. Et crise, ça m'a parlé de la crise des missiles dans le pays Cuba, c'est une pire crise que le monde ça connaît depuis après la Seconde Guerre mondiale. Parce que dans la crise, ça a nous passé tout près de la Seconde Guerre mondiale. Tout près, pas de la Seconde Guerre mondiale, tout près de la Troisième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, qui ça pral passé? John Fitzgerald Kennedy, monsieur, il pral continuer à frapper. Et le Nikita Khrushchev qui t'a dirigé l'USS dans un moment, ouais, bagala, il dit, si nous quittons Cuba comme ça, il y a d'autres pays qui trouvent en Amérique latine qui ont une relation avec nous. Eh ben, les États-Unis, l'Amérique est capable d'envahir comme ça. Et puisque nous, c'est URSS, nous supposons garder influence dans la zone. Eh ben, nous allons marcher, nous allons utiliser Cuba pour que nous montrer à l'Amérique que nous sommes présents dans la zone. C'est comme ça, Nikita Khrushchev, mesdames et messieurs, pour déclencher une opération qui aurait les opérations en Asie. Côté. Il pral décider pour le voyer plus de environ 30 à 40 000 soldats comme ça, mesdames et messieurs, et à Cuba, il pral décider pour le voyer environ 30 à 40 missiles nucléaires comme ça, et l'autre bois, les amis, plusieurs sous-marins, l'aime dit nous ça, gros mobilisation. Le Américain au courant de ça qui a passé là. Bon, nous disons que c'est plusieurs opérations qui ont été lancées. Ont été lancées une opération qui est l'opération Anadir. Ils ont été lancées une autre opération qui était l'opération Kama. Le Américain au courant de ça qui passé, ben rapidement, mesdames et messieurs, ont décidé pour bloquer l'espace là, bloquer la mer pour que Russie ne continue à voler l'autre bois. Et les amis,
qui ça pourrait passer, il y a des photos. Il y a des photos qui pourraient le publier, les photos ça ont sorti. Ah ben les États-Unis d'Amérique pourraient ébranler pour voir quantité de missiles que la Russie dit en poser là dans ces deux zones stratégiques dans le pays Cuba. Et c'est comme ça oppression pour le fait, John Fitzgerald Kennedy pour le fait, gros déclaration. On prend, il peut le menacer pour attaquer Cuba là, bombarder Cuba, etc. C'est gros réflexion qu'a fait. Finalement, on dit, n'a essayé, ouais, comment on va continuer à faire ça, ben nous pour attaquer Cuba, donc c'est pour la guerre, etc., etc. Et finalement, mesdames et messieurs, comment on va la table finie, Nikita Khrouchtchev. Après négocier avec les Américains, qui ont même tout depuis auparavant te gintan installé en quantité de missiles dans le pays Turquie avec l'Italie. Des missiles, les missiles Jupiter, ils étaient installés dans le pays ça juste pour être capable tout près la Russie, etc. Pour être capable de rendre la Russie vulnérable. Et bien, dans la négociation qui t'a pris le fait, décidé, lit. A retiré missile palio dans pays Cuba, mais faut li joigne yon consentement par écrit que les États-Unis d'Amérique pral retirer tout missile que le gagne dans pays Turquie, tout missile que le gagne dans pays Italie, et c'est comme ça le pral retirer missile palio. Ah ben c'est comme ça à quoi joigne entre l'USS avec les États-Unis, hein, c'est comme ça mesdames et messieurs. Crise ça, pral fini. Le n'a li histoire de ça. Son n'a plus gros crise que le monde là connaît pendant la période de guerre froide là. Et le ça, yo vraiment t'as parlé de possibilité pour te gon troisième guerre mondiale parce que c'est une rare fois que l'URSS, qui je dis à vin la Russie, avec les États-Unis d'Amérique, t'as possibilité pour te affronter directement. C'est vrai que pendant la guerre des Corées 50-53, yon tap supporté Corée du Sud, l'autre tap supporté Corée du Nord. Donc yon chaque tap bay l'autre matériel de guerre, etc. Jean ouais, l'autre pays yon a fait là pour l'Ukraine, mais yon pas de bon affrontement direct. Mais crise des missiles Cuba, c'est pendant période ça que Américain avec la Russie, avec l'USS, t'es vraiment tout prêt pour que yon te mette main. Et si on te met dans la période ça, c'est après la troisième guerre. Est-ce que nous voyons comment la crise a commencé, comment elle finit, même si, bien évidemment, nos émissions 15-20 minutes, nous n'avons pas expliquer tout le bagage. Nous n'avons pas dédié émission spéciale pour Jean de Baïsol, ça m'a banni tout le bagage. Là, je suis allé très très rapide, je suis allé en pile le bagage. C'est ça que nous pas dit trop de bagage. Même si Joseph a une bonne idée pour nous dire que ce n'est pas la première fois que pays ça, dans Jean de Dieu, ça. Parlant de OTAN, après la Seconde Guerre mondiale, et pas vraiment d'attention dans la tête, moi, mais yon pral créer OTAN. Ok? Yon pral créer OTAN. OTAN créer, si me pas trompé, zone 49. OTAN, c'est une alliance militaire. D'accord? OTAN, c'est une alliance militaire. N'a pas d'accord avec moi. Pourquoi ça y a créé OTAN? Pourquoi ça y a créé OTAN? Les a créé OTAN, nous t'es dans question de guerre froide, c'était juste pour être capable de faire face à l'URSS. Mais les amis, l'USS, ouais, que Negio formé autant, qui ça aura le fait, yo fait face carrière avec Negio. Dans l'année 1955, le pral créé, ça aurait le pacte de Varsovie. C'est vrai que pacte de Varsovie avec la chute de l'USS, la chute du mur de Berlin notamment, il pral craser parce que l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, il pral fait un seul. Et il y a plusieurs pays qui étaient fait partie de pacte de Varsovie qui pral rejoindre l'OTAN, donc il pral craser ou venir seulement OTAN.
Mais malgré Pacte de Varsovie l'écraser, malgré ESS disparaître, mais là aussi, il y a puissance militaire que l'il y a. Et le Pacte de Varsovie l'y vient écraser, au conseil de pays qui est dans le Pacte de Varsovie qui rejoignent autant, ou pral joindre dans un série de traités qui signe entre la Russie, parce que pendant la période ça, nous pas dans l'URSS encore, l'URSS l'écrasé, nous pral joindre la Russie. Mais la Russie mandé pour négo pas quitter autant vivait tout bref frontière. Donc, Pacte de Varsovie écrasé. Parce qu'au conseil de pays qui était dans le pacte là, qui a le joint autant, donc qui entre dans autant, c'était ok, pas un problème. Mais, il y a entré dans autant, mais s'il vous plaît, conseil de pays qui était fait partie de l'URSS, s'il vous plaît, nous pas voulons pour autant, nous pas voulons pour pays ça entrer dans autant. Parce que si pays ça vivait entre dans autant, c'est comme si nous-mêmes territoires nous menaçaient. Ça, c'est des bagailles que la Russie a signé avec Négio depuis des et des années et des années. C'est là que on pral joindre Vladimir Poutine avec déclaration que l'a fait pour le dire que, etc., Ukraine pas supposé entrer dans l'OTAN, etc. Bon, c'est ma petite là. Peut-être m'a venu avec une autre émission pour nous, pour m'expliquer nous bah, ça de manière plus approfondie, pour nous capables bien comprendre. Parce que ça, ce n'est pas une émission que nous supposons faire quand on a passé son série d'éléments. Il faut que nous expliquions tout le bagage pour capable mieux comprendre. Donc, m'expliquons comment le pacte de Varsovie a été créé. C'est pour nous être capable de camper en face autant. Moins du pacte de Varsovie a l'Ipral écrasé zone 91, dirons ça. Bon, entre 90 et 91, l'Ipral écrasé. Et donc, c'est autant seulement qui pourrait l'arrêter, mais il y a une série de décisions que vous avez pris. L'USST fait une série de demandes avec M. Occidentalio pour que, mesdames et messieurs, ils ne prennent pas compte avec vous. Bon, malheureusement, il y a une série de bagailles que vous faites et qui pourrait mener nous côté que nous y est là. N'a pas avec une autre émission sur ça, les amis. Je vous aime. N'a parlé plus tard dans l'autre émission.